Bonjour les amis, j'ai l'habitude de faire des vidéos et de diffuser des messages optimistes et positifs autour de moi. Et j'ai envie, maintenant à plus de 24 heures de ce 13 novembre noir que nous avons vécu à Paris et qui nous affecte tous et qui affecte le monde entier, j'avais envie de continuer à donner un message positif et d'optimisme. Mais avant tout, on a beau être optimiste et positif, on a aussi le droit d'être blessé, on a le droit d'être en colère, on a le droit d'avoir un sentiment d'impuissance, d'injustice. En revanche, nous avons également le droit et le devoir de ne pas faire preuve d'amalgame et de ne pas utiliser ce qui se passe, ce qui s'est passé même bien avant et ce qui se passera probablement après, soyons réalistes, pour instrumentaliser une haine, pour pointer du doigt des innocents et d'autres innocents. Et je pense que le drame est assez puissant et est assez fort. Les gens souffrent assez que pour encore en rajouter. Comme vous, j'ai lu divers commentaires sur les réseaux sociaux. Certains, pleins d'espoir, pleins d'amour, continuent à croire dans l'amour et dans l'humanité. D'autres alimentent une haine qui commence à devenir tellement malsaine que pour moi, elle est aussi répugnante que ce drame du 13 novembre. Car c'est cette haine qui va nourrir justement non pas la paix, mais la destruction de l'humanité. Et je ne veux pas y croire. Je crois tout simplement que l'humanité est profondément bonne, que l'amour est profondément puissant autour de nous. Ce n'est pas parce qu'il pleut, ce n'est pas parce qu'il y a l'orage, ce n'est pas parce qu'il fait froid que le soleil n'existe plus. Ne succombez pas à cette facilité à croire que le monde ne va plus nulle part. Que devient le monde? Vous savez, nos parents disaient la même chose, nos grands-parents disaient la même chose. L'humanité a toujours dit ça. Le monde a toujours été torturé par différents drames, aussi affreux et abominables soient-ils. Mais c'est l'optimisme et c'est l'amour qui fait que l'humanité est encore ici, que nous pouvons à chaque fois reconstruire. Seulement l'amour, la compassion, le pardon. L'épreuve révèle les vraies personnalités des uns et des autres. L'épreuve que nous vivons aujourd'hui révèle la vraie personnalité de la France, des Français. Révèle la vraie personnalité des héros, car il y en a eu dans ces situations-là, il y en a toujours eu, il y en aura encore. L'épreuve ne doit pas dévoiler en vous ce qu'il y a de pire, mais ce qu'il y a de meilleur. Si vous voulez que ce monde change, cela commence par cela. Et puis j'avais envie d'ajouter, j'ai vu différents commentaires concernant des messages patriotiques. Oui, je crois sincèrement que nous pouvons être patriotiques et fiers d'être français et de faire partie de cette nation si forte, si puissante et si riche en histoire. Si riche de son savoir-faire, je voyage dans le monde entier et la France est appréciée dans le monde entier. Et quand bien même les Français sont parfois pointés du doigt comme étant de grands râleurs, c'est également un peuple de grands bosseurs, un peuple de vainqueurs, un peuple de battants. Et ils sont reconnus pour cela, un peuple de la performance, un peuple de savoir-faire et de savoir-être. Soyons fiers de cela. Être patriotique, ça n'appartient pas à un parti politique, ça n'appartient pas à une extrême droite. Être patriotique, c'est être fier de ses valeurs, être fier de les arborer, être fier de montrer son drapeau. Vous savez, le monde entier arbore le drapeau français et ce qui est inouï, c'est que je me suis promené tout à l'heure dans les rues et je ne vois aucun drapeau français dehors, si ce n'est que sur les bâtiments officiels, sur les bâtiments publics. Autrement, pas de drapeau. Pas de drapeau français. Et j'ai lu des commentaires d'internautes qui se plaignent de voir trop de drapeaux étrangers dans notre pays. C'est pas ça le problème, c'est un faux problème. C'est pas qu'il y a trop de drapeaux étrangers dans notre pays, c'est qu'il n'y a pas assez de drapeaux français dans notre pays. Elle est là la nuance. Moi, je viens d'acheter un drapeau français et je vais le mettre dehors et je le sortirai régulièrement. Ne le sortons pas seulement quand il y a des épreuves de football, quand il y a des matchs de foot. Le drapeau français n'est pas que pour le sport, mais il est également pour notre nation. Notre fierté, soyons fiers de ce que nous sommes, soyons fiers de notre histoire. Résistons, résistons avec optimisme, résistons avec amour et ne cédons pas à l'amalgame. Je crois en
en humanité profondément bonne. Je continue à croire que c'est dans l'épreuve que nous allons montrer que notre peuple est fort, que l'Europe est forte et que nous avons énormément, la plupart des pays du monde sont de notre côté parce que nous sommes une nation aimée. Eh bien, soyons-en dignes. Soyons dignes de notre histoire, soyons dignes de notre futur et construisons ce futur pour et avec nos enfants. Simplifiez-vous la vie. Ne cédez pas aux amalgames. N'instrumentalisez pas ces horreurs pour alimenter la haine. La France ne sera jamais à genoux. Nous ne sommes pas seuls. Nous sommes un peuple fort, optimiste. Et c'est ça que j'ai envie de retenir. Simplifiez-vous la vie et soyez heureux. Au revoir les amis.